comme. On attend que tout le monde soit connecté sur le live. Monsieur le réalisateur, on peut commencer. To go. Alors, la question ne se pose même plus. D'habitude, je commence toujours nos émissions. Est-ce que. Je pense que la question ne se pose même pas. Donc, je ne vais même pas vous le j'espère parce qu'elle est belle et belle, tout le monde est belle. Ou elle est belle et belle, aucun Algérien n'est belle. Même si on a gagné hier avec la Colombie 3-0, ou même si on a un très bon entraîneur, Ousmane Belmadi, même si on a une très belle équipe de football, même si nous avons gagné contre la 9e meilleure équipe de football à travers le monde, mais le match s'est joué à Lille, donc on utilise une infrastructure étrangère, avec un encadrement étranger, et avec un savoir-faire étranger. Donc le génie algérien finalement ne s'épanouit, ne s'éclate qu'à l'étranger, que dans des conditions ou sur un territoire géré par une gouvernance étrangère. L'objectif n'est pas de parler de ce match-là, c'est juste pour vous dire que même Mehmed Farhani de l'équipe nationale, la halat al-bled, matfarrach. La situation actuelle que traverse l'Algérie, matfarrach. Et la situation actuelle que notre pays, par laquelle est en train de passer notre pays, c'est une situation qui est tout simplement calamiteuse. Calamiteuse, notre pays se dirige tout droit vers l'effondrement. Je dis bien l'effondrement. D'abord, il y a un effondrement de valeurs auquel nous assistons aujourd'hui et chaque jour nous fournit l'actualité algérienne la démonstration que la répression, que la hogra, que la violation des droits de l'homme, que les atteintes aux droits les plus élémentaires des êtres humains en Algérie sont devenues une routine, une routine. Avant de commencer cette émission, donc j'aimerais adresser une pensée à tous les détenus d'opinion et tous les détenus politiques qui sont emprisonnés à travers toutes les régions de notre chère Algérie. Et leur nombre ne cesse de s'accélérer, ne cesse d'augmenter, et ne cesse de se renforcer, et nos cellules, dès nos prisons, se remplissent aujourd'hui davantage par des manifestants pacifiques, des opposants politiques, des journalistes indépendants, des cyberactivistes, des blogueurs, que par des corrompus, des criminels, ou des gens qui ont dilapidé l'argent public. D'abord, une pensée particulière à mon ami Saïd Boudour. Saïd Boudour, un journaliste authentique, ancien collaborateur d'Algérie Part, qui a travaillé pendant de longs mois avec nous à Algérie Part. Saïd Boudour, aussi un combattant, un homme intègre, quelqu'un qui a toujours été sur le terrain, un militant des droits de l'homme, par définition. Saïd Boudour, je le dis, je voudrais apporter mon témoignage. C'est un ami que j'ai connu, c'est un confrère avec lequel j'ai travaillé. Saïd Boudour est ce que la société civile a enfanté de mieux en Algérie. Il est vraiment ce que la société civile a enfanté de mieux. La question des migrants subsahariens, etc. Les minorités qui ont été opprimées en Algérie. La liberté d'expression, le droit des journalistes, l'alternance démocratique, il a combattu sur tous les fronts. Je suis à Saïd Boudour qui me coûte un F-Habs en octobre 2018. Il était pratiquement le seul qui a osé dire que c'était dangereux, que c'était catastrophique, que c'était inacceptable, intolérable. Il était parmi les seuls à faire des rassemblements, parmi les seuls à faire des pétitions, parmi les seuls qui est parti faire de la sensibilisation. C'est un homme exemplaire. Et je pleure aujourd'hui son incarcération. Et l'affaire de Saïd Boudour prouve une fois qu'il y a une justice à Hammam. Une justice à Hammam. Semaine elle est faite, il sort du contrôle judiciaire. Après toute une journée, il est devant le juge d'instruction, procureur de la République. Une semaine après, il déroule le mandat de dépôt, la chambre d'accusation du tribunal de Wahran, dans la cour d'Oran. Où est-ce que le tribunal de Sidi Nasser, fait Wahran, Sidi Jamel plutôt, Sidi Jamel, fait Wahran, dans le bord contrôle judiciaire. La cour d'Oran, la chambre d'accusation de la cour d'Oran, elle a annulé le contrôle judiciaire, ou d'être le mandat dépôt. Saïd Boudour ou Joual Galtater, il a publié sur Facebook des publications où il critique le régime militaire, où il dit « La yhakm al-askar ».
اذا تقول لا الحكم العسكري تولي جريمه يا خويا، رفدوا كاع الجزائريين وحطوهم في الحبس، اغلبيه الجزائريين ما راهمش مع الحكم العسكري، ولا واحد ولدوا حتى ذلك وعاد حطونا كاع. زاد بناو له افير، عنده مشكل مع لا دي جي اس ان تاع وهران، وهذا المشكل مع لا دي جي اس ان تاع وهران يعني مع لا بوليس تاع وهران، سعيد بودور كان عنده منذ ليبوك تاع نواصريه ومنذ ليبوك تاع الهامل، سعيد بودور كان عنده الشجاعه الى في لو كوراج دو دينونسي لي زافير دو كوربسيون اي لي ديراباج اي لو ترافيك اي لي زافير لوج دون ليكيل ايتي امبليكي دو نومبروز اوفيسي دو لا بوليس تاع لا دي جي اس ان تاع وهران. لا دي جي اس ان تاع وهران راحوا رفدوه، داروا له اون افير، جابوا له واحد ريبري جوستيس سراق. Il a fait 6 ans de prison. Il a fait 6 ans de prison. Ou Kaloul ou Rahza m'a donné un témoignage pour l'affaire de trafic de foncier dans laquelle il est impliqué. Il a dit Saïd Boudour, je vous ai le téléphone, vous donnez le chantage, vous avez mis les 140 millions. Les avocats qui étaient présents devant le juge d'instruction, Kaloul a dit Boudour, vous avez dit un chantage, vous avez une réponse mode. Vous avez la mode. En Algérie, les journalistes indépendants, quand ils font leur travail, quand ils critiquent, on les accuse de chantage. Les intègres de Nedam, les intègres de Sultan, les intègres de la mafia du Djazer, ils doivent faire des neufs chantages. C'est la réponse mode. C'est une chanson mode. Quand il y a chantage, il y a des preuves. Il y a des preuves matérielles, des éléments. En plus, le témoignage d'Eroua, d'un repris de justice, condamné par cette même justice qui met Saïd Boudour en prison. C'est scandaleux. Le procureur de la République m'a stagnash. Le juge d'instruction de la semaine dernière m'a stagnash. Il n'a pas été convaincu. Il a été mis sous contrôle judiciaire. Je me suis dit que je vais lui donner le bala. Téléphone, il y a un téléphone. Il n'y a que le téléphone qui marche en Algérie. Mais qu'est-ce que c'est? Le Jazaïrien hard. Téléphone ou Rangers. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de علاه باسكو عبزوا عليه وصحاب لا دي جي اس تاع وهران ما عجبهمش الحال وكذا عبزوا عليه ما هو في الحبس. سي اون دوزيام افير كامل طابو كريم طابو سمحوا لي، سي اون دوزيام افير كيما كريم طابو خرجوه من القليعه لا شوم داكوزاسيون تاع تيباز خرجاتو لو لوندو ما عاودو راحو جابوه، وحنا خدمه تاعنا ميقلقو فيهم. دايوغ جو لافير تاع كريم طابو على بالكم، لا جوج نورا مقران اللي حاكمه لا كول لا شوم داكوزاسيون تاع لا كول دو تيبازا Algérie part, Abdou Sabah, nous avons été les seuls qui avons dit Billy Haïli Kousmane dans la Moukran, ou Billy, le lendemain, il y a les Deltes, les Deltes Karar, les Tkharjo, en son âme et conscience, ou Moura Hassad, Belbala Kbira, le Gaïd Nan, Sabah, Maj Bouchil Hal, Delhom Bordel, c'est pour l'expression, mais je dois, je m'en adore à Belhamma, il aura fait un grand tapage, Abdou Rifdou Karim Tabou, ou Mahouf Lhaps, ou Adi la juge Noura, Madame Noura, Rifdou Aïtou la FDRS, ou d'ailleurs, il y a une audition, d'ailleurs, un PV, ou d'ailleurs, un interrogatoire. L'article qu'on a fait, l'information scandaleuse qu'on a faite, elle a tellement fait un tapage kbir que la cour de Tipaza, d'ailleurs, a communiqué, fait la PS, qui a dit que la question de 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 la juge responsable de la chambre d'accusation de Tipaza, qui a dit qu'elle a dit Karim Tabou, qui a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a وما داروها والو. يا خويا ورونا الوثيقه، انتم راكم تشوفوا طريقه التكذيب، باين بلي انتم كذابين. اللي كذب يدير تكذيب ديريكت، هما قال لك لا احنا نكذبوا باسكو هي دارت لنا وثيقه، يعني راح درتوا عليها بريسيون المراه مسكينه، راح تروح تطرطق الفا ديبريمي الفا سويسيدي وتهناو باش تقول لكم بلي تكتب لكم ان بابي باش عبدو البابي تاع عبدو السمار لاختيك دالجيري باغ بور ديمونتير باسكو سي بروباجي كوم اون تريني بودر. سي دو نيمبورت كوا. سي هونتو سو كي سو باس ونال. سو ني با ان ايتا. Aujourd'hui, nous n'avons pas un État, nous avons une entité indéfinissable, inqualifiable, insaisissable, qui est gérée par un ensemble de lobbies militaro-politiques et qui veulent juste étouffer le Hirak, le casser pour s'en sortir. Saïd, je suis Saïd Boudour, là, dans le Habs. Saïd, c'est un ami, je voulais lui témoigner cette gratitude parce qu'il y a les autres journalistes, Mahadroche, ou il compte qu'un Saïd, il défend les rassemblements. Il veut dire Aoun Fikoum. Saïd Boudour, il a aidé tout le monde. Le jour où il est en prison, personne ne parle de lui. Ami Hadro, regarde mon Facebook. T'as le Facebook, donc, Hatman Shor, Blekhal, Lawa Saïd Boudour, etc. Kif, qui m'a miskin, Adel Azab Sheikh, blogueur ou journaliste, qui est Souf, qui est dans la radio nationale, mais il est blogueur, il est dans le Habs.
Parce que là, sauver le Hirak ou là, rouge le Hirak, il a fait la promotion du Hirak. C'est un crime de faire la promotion, de prendre en photo et donner la parole aux millions de gens qui sortent ou qui sortent. Kif kif, et en fait, le MSEC a fait ta menace. Trois personnes fait ta menace condamnées à une année de prison. Trois membres actifs du Hirak fait ta menace condamnés à 300 à une année de prison. Menhom Dahman Zennani, lui ou Marouf Dahman Zennani, qui est parmi les membres les plus actifs du collectif contre le gaz de schiste. Fait un salah ou le sud algérien. D'accord, le HBS, dans l'anima total, c'est que fait ta menace, tu vois, madar alayhom. Trois personnes condamnées à une année de prison, حتى واحد ما ضر عليهم في واد سوف كيف كيف هادو عليهم شويه في الفيسبوك اكسيتيرا سعيد بودور راح دون مانيير سكوندالوز ديرو كونترول جوديسيير سمعنا من بعد في غرفة الاتهام اتهام شون داكوزاسيون تبدل لا لوا وتبدل تبدل لو فيرديكت تبدل لو تريتمون جوديسيير باسكو النيابه العامه دار طعن يعني لو بروكيور دو ريبوبليك في ان ركو سا فو دير كون فولي دير ديبار لو ميتر اون بريزون اي كو تو لي جوج qui n'oseront pas mettre en prison les membres des manifestants du Hirak, ou là, les acteurs du Hirak, ou là, les journalistes du Hirak, ou les journalistes indépendants qui médiatisent le Hirak, seront sanctionnés ou là, ridiculisés, ou là, leurs décisions seront annulées une semaine après. Donc nous ne sommes plus dans un pays qui se respecte. Ou, mal, je suis désolé, et ce n'est pas la victoire de l'Algérie contre la Colombie qui va nous faire oublier ça. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, et je suis désolé à ceux et de ne pas être un peu brutal. Il y a je m'en tout m'écoute trop le bien m'emmener ma sahamna le message en Hirak. Nous sommes solidaires. La solidarité est comme virtuelle. Facebook, c'est une solidarité de lâche. Elle en a appelé Saïd Vodou parce qu'elle en fait le haps. On roule le famille d'Atao. Allons voir son épouse, sa femme. Je suis là, mec là. Je suis là, kofa. Talou là, le moral. Faisons l'assistance psychologique à ses enfants, à sa famille. Tifik m'skanada adel azem. Si vous voulez qu'on soit réellement, qu'on soit solidaire avec ces manifestants, il faut aller voir leur famille, il faut les soutenir. Il ne faut pas qu'ils soient seuls, leur famille, quand ils font des rassemblements devant le tribunal de Sidi Mohamed ou là devant le tribunal de Wahran, où on est quelques dizaines de militants. Mais je ne sais pas si vous avez un élève pour crier non, 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 et vive la démocratie. Ou qui est le dimanche ou le mardi devant les tribunaux, on est juste quelques dizaines. Ça, c'est anormal. Ça, c'est anormal et c'est de l'hypocrisie. Et je dis, comme je l'ai dit dans une première vidéo, la libération des détenus d'opinion et des détenus politiques est aujourd'hui une condition sine qua non si on veut changer l'Algérie. Ou alors, je vous dis, dans la vidéo de Tahir, une semaine, il y aura de nouvelles arrestations. Il y a eu de nouvelles arrestations. Mais tu as Saïd Boudour, tu as Sahab Natawesso, ou je m'en ai dit, 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 L'Ihmoa mardi dernier, Drir, l'avocat Taha, a fait une lettre qui est émouvante. L'étudiante Yasmina, Nulhuda Yasmina, Dahmani Nulhuda Yasmina, Raif al-Harrach, une pauvre étudiante de Fdoha, Hadouga, kif kif. Il y aura encore de nouvelles arrestations. Les arrestations ne vont pas s'arrêter. Je le dis, c'est une information que je vous le confirme et de source sûre. Pourquoi? Parce que le régime, Nedam al-Hal, est soldat. L'autorité actuelle, on ne peut plus appeler ça régime. Un régime, il a des équilibres, il a une rationalité dans son fonctionnement, il a ce qu'on appelle des constances, des fondamentaux, il a des institutions qui fonctionnent plus ou moins selon des normes rationnelles et mondialement admises. L'Algérie, il n'y a plus de régime, il y a une autorité brutale, une autorité violente, une autorité qui, dont le seul objectif est de briser le Hirak et de mettre au bout qu'on le brise et de mettre les gens les plus intellectuels en prison, les gens les plus politisés en prison, les gens les plus médiatisés en prison, pour espérer à ce que les Algériens perdent la boussole, soient désorientés, soient déboussolés. Au même badou, si cela, il y a le vote 12 décembre, il y a le raïs, il y a le bohoma, ou les khoudjali en bohoma. Ah oui, l'objectif, c'est la première partie. La deuxième partie est à l'émission. Mais justement, on va parler de ces élections le 12 décembre. On va en parler sincèrement, yani on va en parler sans aucune hypocrisie, on va discuter des alternatives. Quand on vote, avant d'être contre ou pour, vote ou les élections. D'abord, l'initiative politique, les signes, elle est à pratiquement une vingtaine d'universitaires, Nasser Djabi, Abdelrani Badi, Talib Brahimi, des gens, des gens de grande valeur, de haut niveau, des gens qui sont engagés dans le Hirak quotidiennement. Je dénonce les critiques qui leur ont été adressées, les insultes qui leur ont été adressées. Certains ont essayé de les faire passer pour des traîtres. Je m'en ai dit, en fait, je vais vous dire, 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 je vais vous dire,
Ouchno, elle a causé polémique cette initiative. T'as les 18 personnalités, j'ai pas calculé ce que sont 18 ou 120, mais je dirais, d'après ma, si ma mémoire ne me trompe pas, ou les commentaires pourront me corriger, les 18 personnalités, ils n'ont pas parlé du report des élections. Des conditions, lié respect des libertés publiques, libération des détenus politiques, processus de dialogue, respecter la liberté de manifester. C'est des principes qui sont évidents sur lesquels nous sommes tous d'accord. Le problème, c'est que maintenant, les initiatives politiques qui rediffusent des évidences et des revendications qui sont encore une fois partagées communément et sur lesquelles il n'y a pas de débat, on n'en manque pas. On en trouve dans, à chaque coin de rue, et depuis le début du Hirak, on est en train de parler de ces mêmes revendications. Maintenant, quels sont les mécanismes? Les mécanismes, maintenant, on a une élection présidentielle. Cette élection présidentielle, elle était crédible. Pour qu'elle soit crédible, elle veut un colo, l'armée a été colo en tout cas. On a mis source, on a écrit un article par exemple, qu'on a dit, المؤسسة العسكرية والمؤسسة العسكرية حاب تخدم بها etc. Finalement, j'ai fait quelques recherches. C'est beaucoup plus des rumeurs que de la vérité. La preuve, Bali, son directeur de campagne, qui devait être ambassadeur à Paris, il a été bloqué, comme je l'ai dit dans un article Algérie Parle, il a été bloqué suite à un veto de l'institution militaire. Le mec, donc, n'a pas pu être ambassadeur à Paris, alors que c'est un poste hyper stratégique. Être ambassadeur algérien à Paris, c'est beaucoup plus important qu'être chef du gouvernement. Alors, حتى الميليسيا ديال الافيات اونجير فان اوت باش يتلاقى مع بوكادوم المينيسير لاكتويل مينيسير ديال الافيات اونجير اي كيتي سون امي ما حبش ميم با يستقبلو باسكو بوكادوم لو مينيس ما عرفش يقول له اي ما عرفش تنحى اسمه في لا ليست لا ديرنيغ مينوت والسيد دار طاباج اكسيتيرا تبون سيليتي اوسي ايبولي كانوا خرج وليدو خارج من الحبس او وليدو خارج من الحبس سيلي دون اون غروس مير لي في بوندون ليكيل لوسي دون لوكيل اي امبليكي اي ا ايتي ريكاليفيي Et, il risque de, et les peines requises risquent d'être alourdies. L'armée en a, d'après mes sources, et que le meilleur gagne. Des conditions que l'armée doit accepter. En effet, اللي والو المؤسسه العسكريه لا بروف سي بور سا كو قانون الانتخابات ما بدلوش وخلوا قانون هذاك القديم اللي كان يمشي مقبل بوتفليقه وبدا قانون الانتخابات ما يقدر نخرجوا غير واحد من عند النظام ماتنو اذا نتبعوا العقليه تاع المؤسسه العسكريه اللي تقولنا لازم الانتخابات باش نخرجوا من الازمه اوكي يفو دي زيليكسيون بريزيدونسيال بور سورتير دو لا كريز است كو سمعنا ان سول كانديدا كي سي برونونسي بور لا ليبراسيون دي ديتنو دوبينيون Est-ce que c'est un seul candidat qui a promis de libérer les détenus politiques ou les détenus d'opinion? Est-ce que c'est un seul candidat qui a dit, moi je ne rentre pas en campagne électorale tant qu'il y a des gens qui sont en prison? Tous ceux qui sont candidats à la candidature, parce que le Conseil constitutionnel n'a pas encore validé leur dossier définitivement, n'ont pas eu le moindre mot, ni la moindre parole pour les détenus d'opinion ou les détenus politiques qui sont dans nos prisons. Mais qu'est-ce que je fais, moi, dans cette hache? Zid, on va dire que la campagne n'a pas commencé. On va attendre que Zama, la campagne va commencer. Et les Hadounes, ils font des meetings, ou des rassemblements, ou un d'un cas yessin, ou l'un taille Tboun, ou l'un taille Belflis, ou l'un taille Mihoubi, ou l'un autre, ils sont avec vous. Ils ont un peu de conscience, et un peu de moralité, et un peu d'éthique, mais tu peux dire si c'est ça, ou un soujoun, tu es là, بلي مانيفيستون ما عمرنا بالزواوله السجون تاعنا ما الحباس تاعنا ما عمرنا بالزواوله او موان سي تو اي سانسير تو اي سيريو است كو تو بو بروندر ان انجاجمون كو سي غدوا تو رومبورت اليكسيون بريزيدونسيال تو فا شانجي تو سا اي تو فا لي سورتير اي تو فا روفنير فار ان ايتا دو دروا سي دو سيت سول كونديسيون باش هاد اليكسيون بريزيدونسيال تقدر تمشي بور لو مومون ما عندنا وعود ديمقراطيه ما عندنا مشاريع ديمقراطيه ما عندنا مشاريع اقتصاديه واجتماعيه لحد الان لي زيليكسيون هادو سونت ان اون ايفينمون il y a pas eu de débat est-ce qu'on a entendu bon la loi sur les hydrocarbures هادو عليها مي هو بي قال لك لا سي با لو مومون il faut choisir بن فليس قال لك لا سي ان بريزيدون ليجيتيم اكسيتيرا سور على الدراهم هضروا على حقوق الانسان ما هضروش ما عليناش هاكو هذا تو تقولوا سي او بريزيدون ليجيتيم دو شانجي ولا دو فير دو سيت لو اوكي مي فو كيل فوت بروبوزيسيون افيفو اون لو ديفيرونت Avez-vous une contre-loi? Qu'est-ce que vous voulez faire des hydrocarbures du pays? Qu'est-ce que vous voulez faire des richesses du pays? Qu'est-ce que vous voulez faire pour développer le pays? Pour le moment, il ne se passe absolument rien.
On a l'impression que ces gens-là qui sont candidats, ils font là que pour l'animation, ils sont en train que uniquement de jouer un rôle. C'est un film. C'est un film qui est en train de se dérouler. Et chaque jour, il y a un épisode. Qui met le film d'un Tléba. Rappelez-vous, Tléba, خرج من البلاد, كاع الناس هضروا بلي Tléba راح يهضر ويخرج دي دوسيي وبداو يخرجوا certains dossiers. دوك Tléba يحطم القايد والقايد راهو مرض وطاح مسكين وحكمته افي سي باسكو Tléba هاو Tléba ما Tléba يهضر ويزيد يقول واش لي زافير تاعو مع ولاد القايد هاو Tléba ما هضر ما والو سي تو نيغوسي باش يعاود يدخل الجزائر وبالك او مومون جو فو بارل بوتيت كيل اي اونتري اون الجيري بيسكو سون فرير اي ديجا ان بريزون سون فرير كي دي اكسبلوطاسيون اغريكول في واد سوف قدام دون دي كونديسيون تخوم لوند ويما راهي مريضه ابارمون داروا اما داروا له شونتاج باش يدخل اما قالوا اما هو دار معاهم دي نيغوساسيون باسكو فهم باللي في ليتونجي ما عندهم وين يسلك من ناحيه ديال الرفوج اون سي با سكي سي باسي ان توكا سو فيلم طليبا دون تران دو سو تيرميني اون فا با فير ديجاجي جاي صالح بطليبا اون فا با شونجي لو ريجيم الجيريان بطليبا كوم اون فا با شونجي فينالمون l'Algérie avec ses élections présidentielles parce qu'aucun de ses candidats aujourd'hui n'a eu le courage de montrer qu'il est différent. Ya khoya ana nthadda, ychouf li ki chi wahed siyasi ykoun rajel w yedkhol hadou l'intikhabat w yqoul ana nediha nkharj nas men lhabas w nkharj hadi w nbeddel system w l'adala ta' rongez w ta' telefon tetbeddel w hatta wahed ma ydkhol lhabs ala jal raya l'amazighia hatta wahed ma ydkhol lhabs على جال باسكو نتاقد ولا الى خرج برا ولا مانيفيستي هذاك النهار جو ديري كو فريمون اون دو الي فوتي يعني كونديسيون اكطوييل نو بيرميت ريان فينالمون سي فوت لا دو 12 ديسمبر اي فا بيرميتر كوا اي فا نو امني ا ايلير ان بريزيدون كي سرا كوا ان بريزيدون كي سرا ايليجيتيم باسكو لا ماجوريتي اكراسون ما كاينش واحد يروح يفوتي ويشوف خالته ولا جارو ولا فاميتو في الحبس باسكو خرج بدرابو ولا خرج ديال لافته ولا خرج يظهر بطريقه سلميه ما كاش هادي في اوكان بي او موند نو سي باسي اوكان بي او موند نا بي اون بو اون ا بو اورغانيزي اون اليكسيون بريزيدونسييل دون ان كليما او سي بوري او سي او سي يعني ديفيسيل او سي فيولون او سي لور سو ني با بوسيبل ميتنون سي اليكسيون بريزيدونسييل سي لارمي فو لي ريوسير لا بال اي دون سون كون La balle est dans son camp en donnant des véritables gestes. Réellement, hadou les initiatives, la mettre mal le dialogue. On n'a même pas besoin de dialoguer avec l'armée parce que l'armée ne reconnaît pas notre légitimité. Mais pour ne pas perdre du temps, on est en train de perdre du temps depuis avril dernier. Mais les tahbouts de l'Ekawa, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit parmi les premiers qui disaient que faire une assemblée constituante en Algérie ne sert pas à grand chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'offre politique nécessaire pour garantir d'avoir une constituante dotée de courants politiques qui seraient capables de travailler la main dans la main pour la cohésion du pays, pour sa sécurité, pour son développement. Deuxièmement, quand on parle du processus électoral en Algérie, n'est pas juridiquement valable. Quand même, on a des lois, une loi électorale pour organiser une élection présidentielle digne de ce nom, mais on a une loi électorale aussi qui nous permet demain d'organiser une constituante. إذا حبوا كيما يديك كيما يقدر يطرا فيك باش يدير لك رئيس يقدر غدو ان شاء الله يطرا فيك باش يدير لك مجلس تأسيسي يجيب لك الطبانين والزواخين والبباغي تاع باباغايو وبنيويوي يحطهم لك يقول لك هذا هو مجلس تأسيسي دونك لو بروبليم ني با دون لي زيليكسيون ان المام لو بروبليم اي دون لو مود الكتورال دون لو بروسيسوس الكتورال كيل فو ابسولومون شانجي اي لا كوميسيون كريم يونس ايتي ان راتاج هيستوريك Parce que Jemaa, au lieu de s'imposer et de dire, voilà, on doit changer la loi électorale de notre pays pour permettre aux Algériens réellement de choisir quelqu'un qui est représentatif et légitime, on a raté. Donc on a raté cet épisode, khlas. On n'a pas changé les lois, on n'a pas changé les cadres juridiques, khlas. Donc la solution des élections, elle est perdue. Elle est perdue à la fois pour les élections présidentielles et elle est perdue à la fois pour une constituante. Dans les deux, elle est perdue. Parce que même si on annule le 12 décembre, on va annuler le 12 décembre. Prétexte, voilà. Imaginons que le 12 décembre, il est annulé. On va faire quoi? Une élection d'une constituante. La constituante, on va l'élire comment? Qu'est-ce qu'on va voter? On va voter pour le gouvernement qu'on a. Mais on a l'adala, mais on a le gouvernement. Donc, on va dire kif. On va dire qu'on va dire qu'on Mais les faits, les gens qui sont en train de se faire, les gens qui sont en train de se faire, حل تاع المجلس التأسيسي الآن ما عندوش حتى معنى. Aujourd'hui, la solution électorale ne peut pas marcher. Pour qu'elle puisse marcher, il faut qu'il y ait des leaders politiques qui osent s'imposer et qu'on ne mettra pas en prison.
des leaders politiques qui peuvent s'imposer et qui vont dire, je rentre dans une compétition politique et je défie l'armée ou je défie l'autorité et je dis que si moi j'arrive au pouvoir, je ferai la démocratie, je vais libérer les gens, je vais les sortir de la prison, je vais les sortir de la boîte qu'ils ont fait, je ne vais pas les sortir, etc. Aujourd'hui, on est quoi réduit? On est réduit à l'autorité actuelle. Je vous ai dit qu'on ne peut pas parler du régime parce que rationnellement, ce n'est pas un régime. L'autorité actuelle, elle est en train de s'en prendre aux chrétiens. Même les chrétiens. Les chrétiens, mais c'est le couche. Des petites églises en Kabylie, quelques dizaines de chrétiens qui ne gênent personne. C'est du n'importe quoi. Tout ça, c'est une stratégie. Ça s'appelle la stratégie de la tension. Le régime actuel ou l'autorité actuelle en Algérie, encore une fois, parce qu'il n'y a plus de critères pour qu'on puisse les appeler régimes, elle fait la stratégie de la tension. C'est quoi la stratégie de la tension? C'est de créer le maximum de problèmes pour attirer le regard, attirer l'attention des gens sur ces problèmes-là et sur la nécessité de trouver des solutions et pour éviter le véritable problème, le véritable enjeu, qui est la transition démocratique, la transition politique et la transmission du pouvoir actuel vers une autorité civile légitime et reconnue. Donc là, Anna, on essaie d'avancer pour aller vers la dernière étape. Je pense que ça, c'est à l'écho. Femme, au Burhanna, une élection présidentielle sans des candidats sérieux, ce n'est pas le cas. Sans des candidats qui peuvent porter un projet et qui peuvent défier l'autorité et qui peuvent changer le système de l'intérieur, ce n'est pas le cas. La théorie que le système algérien peut changer de l'intérieur, elle a échoué. Elle a échoué depuis l'Ortla Bouteflika. Bouteflika qui déjà. Premier mandat, deuxième mandat, même troisième, quatrième, je suis en train de changer le système de l'intérieur en chassant les généraux dans les années 90. Il a changé réellement, il n'a pas changé le système, il l'a renforcé et à la fin de sa vie, quand il est tombé malade, et avec son entourage, ils l'ont affaibli et ce qui avait de plus de ce qui restait d'intelligent dans le régime algérien est parti, il s'est effondré dans les guerres de clans où le Hirak il a tout emporté sur son passage. Aujourd'hui, la solution, à mon avis, il y a une alternative qui est sérieuse. Je n'appellerai pas ça le Haut Conseil de la Sécurité. Il a bien de chat. Le scénario, il est très fou. Qu'est-ce qui va se passer le 12 décembre? Alors, je te parle comme avant, il y a chaque vendredi, mais il fiche. Si chaque vendredi, il y a le Hirak s'est folklorisé chaque vendredi. Il y a eu un grand signe d'espoir cette semaine avec le dimanche où il y a eu contre la loi sur les hydrocarbures. À partir du moment où la mobilisation populaire était spontanée et elle a occupé les rues et elle a surpris les services de sécurité le dimanche passé. Plus le mardi des étudiants. Et des manifestations comme le dimanche vont se reproduire, les élections du 12 décembre seront naturellement compromises. Même si elles ne se reproduisent pas et on reste uniquement le vendredi, le régime va passer comme une lettre à la poste oui, dès le 12 décembre. Anna ma crainte et ma lettre aux généraux algériens ou aux responsables de l'institution militaire. بعيد الشهر لو 12 ديسمبر يخرجوا لكم ملايين من الجزائريين فور مانيفيستي باش يقول لك لا الفوت لا الانتخابات مع العصابات وما تعرفوش بكم وهاد لي كونديدا ما قنعوناش كاع من اصحاب النظام اون بار دو روتور دو بخادم دو تبون دو بنفليس يعني غير بهوب تاع عندي ما كاينش مين با واحد يعني بالك كاين واحد ولا زوج جديد بالك واحد فيهم مي ميم با ريالمون دو garantie de renouvellement. Il n'y a même pas un esprit de renouvellement d'élite politique. Yani, on n'a même pas fait l'effort d'écarter les visages anciens du régime pour amener des nouveaux visages. On n'a même pas fait cet effort-là. Mais allez, je crois comme le 12 décembre, 10 millions d'Algériens. Et vous sortir dans les rues. Oui, bloquer ou le camp. Et certains voudront aller vers les bureaux de vote pour les fermer. Qu'est-ce qu'ils vont faire les services de sécurité? Ils vont tirer? Vous allez les réprimer? Vous allez les affronter? Il y aura des émeutes? Il y aura les premières balles? On va tirer sur les gens, il y aura des morts. Il y a un risque de mort. Il y a un véritable risque de mort le 12 décembre. Lequel l'impasse actuelle, avec un Hirak qui rejette tout, et avec une autorité qui ne propose rien, mais qui emprisonne encore les gens, l'affrontement est une bombe à retardement. On a dit à tous les décideurs de mon pays, attention, au premier mort, à la première balle, une réunion du Conseil de la Sécurité de l'ONU. Au premier mort, les puissances étrangères n'attendent que ça. Au premier mort, le 12 décembre,
Vous allez voir le Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunit. France a tralatmen, l'Émirat a tralatmen, Qatar a tralatmen, Turquie a tralatmen, Bruxelles, l'Union européenne, ou l'Algérie, tout l'équivalent. L'équation algérienne va échapper aux Algériens. Et c'est ça le danger que je crains. C'est ça le danger que je crains. Que si la question algérienne s'internationalise après Beïd-e-Cherb, s'il y a eu des morts dans les rues, le 12 décembre, suite à des affrontements, parce que Chab ne va pas accepter ces élections, là, on va aller dans un virage hyper très dangereux. Nous devons absolument éviter tout ça. Yajmaat les généraux, Yajmaat Gaï Salah, Khafour Bey, évitons ça. Évitez ça. Ne croyez, retirez les leçons de l'histoire. Regardez ce que l'état-major de Kadhafi disait, non, Amnadou l'est de la Libye, on va les écraser facilement. Nadofé dans une seule ville de l'Est, on va les écraser très facilement. Regardez ce que la Libye est devenue, comment Kadhafi, là, il a fini. La Syrie, la même chose. L'état-major de l'Assad, ils ont monté l'Assad. On est soutenu par l'Iran. C'est vrai, l'Assad m'attache, mais il a hérité de quoi? Un pays en ruine. En ruine au moment où tellement un pays qui est inexistant qu'aujourd'hui la Turquie peut se permettre de rentrer, de sortir au nord de la Syrie comme elle le veut. Comme elle le veut. Nous devons tirer les leçons de l'histoire. On ne doit pas permettre à ce que le 12 décembre marque soit un jour sombre où il y aurait eu des morts, permettant à une communauté internationale de s'emparer de la question algérienne, de la traiter selon ses propres intérêts. Les étrangers vont traiter l'Algérie selon leurs propres intérêts. Mais quel est l'intérêt de l'Algérie à la place des Algériens? Dans ces conditions, il faut faire quoi? Il faut, si on n'a pas une offre politique pour les élections, on m'a des candidats dès de ce nom, ce n'est pas grave de les reporter, des annuler, de les reporter. Ce n'est pas grave. Une constituante ne va servir à rien. Un haut conseil de la sécurité, non. Je ne crois absolument à rien. Je vois qu'il y a des courants qui s'opposent au sein de l'armée. On n'est même pas d'accord sur la succession de Gaï Salah. Moi, je dirais qu'il faut, s'il faut enlever Gaï Salah, il faut appliquer le principe simple, qui est le principe sacro de l'armée algérienne, où ce sera le commandant des forces terrestres, c'est-à-dire Chengriha, où il est l'officier le plus âgé, qui est Ben Ali Ben Ali. Trop les Chengriha, machin, Ben Ali Ben Ali, l'armée, c'est l'armée. Les militaires règlent leurs problèmes, déjà on a suffisamment de problèmes. On ne va pas apprendre aux militaires comment gérer leur armée. Ce qu'on doit apprendre, c'est que, évitons, on ne va pas aller vers un haut conseil de la sécurité. On va vers une direction collégiale. Les FIHA des personnalités civiles et militaires. On prend le chef d'état-major, on met à côté du chef d'état-major Hamroche, on met à côté de Hamroche un ancien président de la République qui est Zelwel. Zelwel connaît l'institution militaire, il connaît la société civile et la gestion de l'état politique. À côté de Zelwel et de Hamroche, on met une personnalité issue de l'univers économique, etc., comme Ben Bitoun. On peut mettre un jeune avec lui qui m'a l'almas, etc. On met une direction collégiale où le collège va lui-même gérer et superviser une élection libre pour on va dissoudre le Parlement, on va dissoudre le Sénat et on va vers une solution, on va aller vers une solution de transition qui est de faire des élections législatives pour une nouvelle assemblée qu'on va appeler une assemblée constituante, mais la délection collégiale où l'armée est représentée avec un équilibriste qui est Hamroche. Moi, je fais confiance à Hamroche parce que je pense qu'il est équilibriste. Il connaît le pays, il connaît très bien les sensibilités, et à la fois des militaires, et à la fois la société civile, à la fois du Hirak. Il peut la gérer. Ma Zelwel Mora, ma Ben Bitoun, ma deux autres personnes, une délection collégiale, il a oublié le canon de l'intérêt. Ou une élection d'une assemblée constituante, ou avec l'assemblée constituante, elle accepte les partis qui vont la gouverner, ou ils font, ou ils disent on a un gouvernement de transition, qui t'aide à dawa, ou te calme à dawa, etc. Ou les détenus d'opinion, ils rejouent, ou les détenus politiques, ils rejouent, ou la répression, et la justice va se réformer, la direction collégiale qui va gouverner le pays. Le temps d'une nouvelle élection présidentielle avec un nouveau gouvernement de transition qui va s'appuyer sur une nouvelle assemblée parlementaire mais qui sera légitime, va s'engager à faire des réformes pour garantir l'indépendance de la justice.
بهذه لا سوليوشن تتكالم الدعوه ولا جيري فا غوفنيغ انا نورمال بوتيت ا بوتي ونرجلو الامور باسكو غدوه ان شاء الله لو 12 ديسمبر اذا حطينا ان بريزيدون بلي زافونتمون بلي زيمات اللي يقدروا يصراو وافيك ان طو بارتيسيباسيون ريديكول والله il va hériter de quoi? Il va hériter d'une situation qui est explosive et qui est ingérable. D'abord, économiquement, l'homme providentiel ne peut rien faire. Aujourd'hui, l'Algérie, l'homme providentiel ne peut rien faire. Que peut faire le futur président contre une monnaie qui est faible, qui est un dinar qui est en chute libre et qui ne va rien valoir? Que va faire le futur président face à une économie dépendante des hydrocarbures ou le pétrole? Les chiffres disent qu'en 2020, le pétrole algérien ne ramènera que 22 milliards de dollars. Les chiffres disent qu'à partir de 2021, le pétrole va retomber au-dessous de 60, voire 50 dollars. Donc le nouveau président algérien ne pourra rien faire. Le nouveau président algérien sera otage d'une situation où il n'aura pas le pouvoir de changer les choses. Il n'aura pas le temps, surtout il n'aura pas le temps de satisfaire les revendications démocratiques, d'entamer les chantiers économiques et les chantiers sociaux. L'Algérie a besoin de 10 ans de travail. Donc c'est une affaire de collège. Il faut des solutions collégiales, pas des solutions d'homme providentiel. Si on est un collège de dirigeants, ou l'Idfeldied, avec une nouvelle assemblée parlementaire, une nouvelle assemblée constituante, on peut résoudre ce problème. Je vous propose d'approfondir ce sujet bientôt, dans de nouvelles émissions. Je vous remercie énormément pour vos commentaires. Je vous remercie énormément pour vos participations. J'espère que tu as les comptes. J'essaie toujours d'être le plus profond possible, le plus pédagogue. Là, on n'aime pas le journalisme sensationnel, le journalisme superficiel. Et si aujourd'hui, on est en train de parler comme ça et d'essayer... J'en ai marre de pointer du doigt des responsables. Comme il comprend, c'est une solution. Parce que دونك المشكل ماهوش في الجاي نحي الجاي نحي لامي المشكل في حل سياسي اللي عنده يشوف بلوزيور ديمونسيون بلوزيور اسبي جو فوزي بارلي سيت سوليوشن دون ديريكسيون كوليجيال مني بار حمروش اون كومباني دو شيف ديتا ماجور كون دوغري رومبلاسي جاي صلاح فا بارتير اما شنقريحه اما بن علي ولا جاي فا ريستي مي سي ريسبكت اون شارت دو فالور كي اي لا ليبراسيون دي ديتنو اي لا فان دو هارسيلمون judiciaire et politique contre les manifestants, peu importe, aux militaires de décider s'ils veulent garder Gaïd ou pas, aux militaires de décider. Nous voulons qu'une institution existe, nous ne voulons pas qu'une institution soit monopolisée par des personnes. À côté du chef d'état-major, Mouloud Hamroj, Zelwel, ancien président de la République, à ses côtés, deux ou trois personnalités, naturellement, la présence d'une femme, elle est obligatoire et souhaitable. Zohra Dreif, je lui fais entièrement confiance, c'est une dame d'une grande sagesse. Il n'y a pas que Zohra Dreif, il y a plusieurs femmes, que des personnalités nationales en Algérie. Aider la direction collégiale, prendre la responsabilité de dissoudre le Parlement, on l'appellera un conseil de transition, peu importe les noms et les concepts. Ça, c'est très facile. C'est les solutions qui comptent. Dissoudre le Parlement, dissoudre le Sénat, faire une élection pour un nouveau Parlement qui lui-même choisira et qui lui-même désignera le futur gouvernement. ونخدموا بشويه بشويه نكملوا الدعوه حتى كي نروحوا اون فا غوفنيغ على نورمال الناس تخرج من الحباس الناس الحقره تحبس لا طونسيون تنقص وهنا اون فا ديباتر اون توت سيرينيتي دو لا نوفيل الجيري كون فو كونستروير سون سا يا خوتي خواتاتي جي دو مال اكخواغ كو لو 12 ديسمبر بروشان وراني خايف منو و جابيل فريمون جو لونس ان ابيل او كالم اي جو دي او ميليتير الجيريان تيري لا لوسون دو ليستوار سوايي باتريوت سوايي فيجيلون نو فو بريسيبيتي با شانجي ان بيي le conserver, l'Algérie elle a une histoire millénaire, ne soyez pas une page sombre de son histoire. Et je vous donne rendez-vous dans notre live, dans d'autres émissions. Et vive l'Algérie.